Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cookies. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage? Choisissez une position confortable. Détendez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, je vous raconte Le Chant du Loup, un conte amérindien. Je voulais donner quelque chose de mon passé à mon petit-fils. Ainsi, je l'ai emmené dans la forêt, dans un lieu tranquille. Assis à mes pieds, il m'écoute lui dire la puissance qui est donnée à chaque créature. Il ne bouge pas un muscle pendant que j'explique comment la forêt nous avait toujours fourni nourriture, abri, confort et croyance. Quand je lui raconte comment le loup est devenu notre protecteur et quand je lui dis que je lui chanterai le chant sacré du loup, il était très excité. Dans mon chant, j'implorais le loup de venir et de présider avec nous pendant que j'accomplis la cérémonie du loup pour que le lien entre mon petit-fils et le loup soit éternel. Je chantais. Dans ma voix, l'espoir se répercutait dans chaque battement de mon cœur. Je chantais. Dans mes mots étaient les pouvoirs hérités de mes ancêtres. Je chantais. Dans le creux de ma main se trouvait une graine de sapin, le chaînon de la création. Je chantais. Dans mes yeux étincelait l'amour. Je chantais. Et le chant flottait sur les rayons du soleil, d'arbre en arbre. Quand j'eus fini, c'était comme si le monde entier écoutait avec nous pour entendre la réponse du loup. Nous avons attendu un long moment, mais rien n'est venu. Je chantais à nouveau, humblement, avec autant de conviction que je pouvais, jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal et à en perdre la voix. Soudain, j'ai réalisé pourquoi aucun loup n'avait entendu mon chant sacré. Il n'en restait plus. Mon cœur s'envahit de larmes. Je ne pouvais plus donner à mon petit-fils la confiance du passé, de notre passé. Et dans un murmure, je lui dis, c'est fini. Je pleurai en silence. Tout est fini. Ainsi se termine ce conte et je vous retrouve dès demain, les amis contes.